Hey à tout le monde, c'est TheTristePin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version de Pokémon Blanc 2 tout simplement. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, nous avions attaqué la troisième arène du jeu que nous avions remporté sans difficulté. Donc nous avons remporté notre troisième badge. Nous avions également eu l'évolution de Colombo et de Gros Tichon, je crois. Enfin je sais plus, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, ça fait une semaine. Mais voilà, je suis très content de vous retrouver, je sors d'une semaine de bac blanc, hein, pour être honnête avec vous. Et oui, même avec le confinement, on a fait une semaine de bac blanc à distance. Je remonte un peu le son, là je pense que c'est pas trop mal. Même avec le bac blanc, même avec le confinement, on a fait une semaine de bac blanc à distance. Du coup, c'était assez, comment dire, embêtant, parce que tu te lèves à 9h et tu te dis, ah, faut que j'attaque, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos au début de semaine, mais du coup, ça y est, mon bac blanc est terminé. Du coup, je vais pouvoir un petit peu plus faire de vidéos, voilà. Donc, on retrouve le mec qu'on avait rencontré dans les égouts de Volicité. Et d'ailleurs, on connaît toujours pas son nom. Oh, c'est toi. Me permettrais-tu d'étudier les Pokémon composant ton équipe? Oui. En te remerciant. Intéressant. Stupéfiant, plutôt. Ton Gros Tichon exhibe une confiance bien plus élevée que la moyenne de son espèce. Tu ne possèdes pourtant que 3 badges pour le moment. Fascinant. Je ne possède pas encore d'explication rationnelle, mais tu sembles posséder une qualité qui te permet de tirer tout le potentiel de tes Pokémon. Je sais. Mais j'oublierai de me présenter. Je me nomme Nikolai, chercheur. Attendez, je regarde si... Le son, il m'a l'air pas trop mal là, le son. On verra bien à la fin de la vidéo. J'étudie, comme tu l'auras deviné, la façon de tirer tout le potentiel des Pokémon. Que dis-je? Tirer, extraire, sublimer leur force. Mais quelle est la clé de cette énigme? Est-ce le dresseur ou un autre adjuvant? Mes analyses seraient concluantes en t'affrontant peut-être. Qu'en dirais-tu? Oui, pourquoi pas? Très bien. Nous nous retrouverons sur la route 4 dans ce cas. D'accord. Ben, on va aller te casser la figure. Gros Tichon est niveau 20. Du coup, on va mettre l'énergie en première position. Et du coup, comme ça, on pourra faire XP Riolu et l'énergie. On va peut-être même mettre Riolu en première position. Parce que sous forme de Riolu, il n'est pas très fort. Mais quand ce sera un Lucario, il aura déjà plus de puissance. Du coup, c'est parti. En route pour la route 4. Est-ce que j'ai un Pokémon à attraper sur cette route? Oui, oui, je vais avoir un Pokémon à attraper sur cette route. Ah, Bianca. Et j'ai dû courir dans tous les sens pour te rattraper. Je voulais te donner quelque chose. Tiens, un cherche-objet. Ouais, bah, je sais pas trop comment on s'en sert de celui-là, donc on va pas trop l'utiliser. Avec un cherche-objet, tu peux... Mince, j'ai un doute. Oui, tu peux trouver des objets cachés qu'on peut pas voir normalement. Génial, hein. Comme ça, en cherchant des Pokémon, tu peux aussi trouver des objets. Sur ce, bon courage. Oh mais, j'avais encore oublié quelque chose. Si tu utilises beaucoup le cherche-objet ou les listes d'habitats, tu peux les enregistrer dans un raccourci, oui. Comment on fait? Mince, j'avais pas prévu cette question. Je crois que j'ai un livre qui en parle. Voilà, appuyez sur Y pour appeler d'une pression ce qui a été enregistré. Oui, bah comme la bicyclette, quoi. J'espère que tu auras compris, ça a l'air simple, non? Bon, à plus. Comme la bicyclette et comme la carte, comme on a toujours fait. Comme ça, c'est... C'est ça. Les amis, est-ce que vous vous souvenez du désert? Parce que le désert a un peu changé. Donc pour l'instant, c'est à peu près pareil. Tu me dis quoi, toi? Tu me dis rien? Les dresseurs regardent bien la couleur du sable. Il est plus ou moins foncé, n'est-ce pas? Les Pokémon se cachent dans le sable foncé. Effectivement. Mais moi, je vais aller provoquer le destin. Je veux un Pokémon en particulier. Un Pokémon en particulier. Voilà, j'attendais de voir le sexe. Et oui, les amis, c'est le grand retour de Mascaïman, aka Crocorrible, dans notre dernier Let's Play, qui avait été légendaire pour la Ligue. Vraiment, ce Pokémon est sublime. Du coup, je le prends dans mon équipe. J'avais déjà prévu de le prendre de base. Et voilà, donc pas de Daruma Show pendant ce let's play parce que bah j'ai pas
j'ai pas forcément envie de reprendre un Darumacho et puis j'ai déjà Grotichon. J'ai déjà Grotichon, du coup j'ai déjà mon type feu, donc pas besoin de prendre un Darumacho en plus. Parfait, il est capturé. Voilà. Je suis content. Je suis super content d'avoir Mascaïman. Voilà, je vous le dis. C'est trop cool. Sol Ténèbres, parfait. C'est exactement ce qui me manquait. Et oui, du coup, il manquait un type sol. On va pas donner de surnom. Il manquait un type sol. Et en plus, il est ténèbre. Donc, c'est parfait pour le type psy et tout ça. Du coup, voilà. Je me suis dit, bah autant reprendre Mascaïman. Il avait fait grandement ses preuves dans le premier Let's Play. Du coup, on y va, on fonce, on le prend. Et c'est, du coup, c'est le seul sur cette route. Est-ce qu'après, je vais avoir moyen d'en capturer d'autres? Je ne sais pas. Je regarde mon petit papier. Non. Les autres, ce sera pas pour maintenant. Ou l'autre, le dernier, parce que à voir si je change pour le dernier. Mais en fait, je sais pas vraiment si je vais pouvoir le capturer, le dernier qui me manque. Enfin, non. C'est, parce qu'en fait, je vous avais dit que Riolu, il était pas obligatoirement définitif dans mon équipe. J'avais prévu un autre Pokémon à sa place. Je vais vous dire qui c'est. Hein. Je vais vous demander tout de suite si on peut. Le Pokémon que j'ai prévu à sa place, c'est Dracolos. Voilà. Un Pokémon dragon. Les Pokémon dragons sont super puissants. Du coup, j'ai dit c'est parfait. En plus, ça m'aurait aidé pour la dernière arène. Hop, on met ça là. Et on met ça comme ça. On va XP Mascaïman, du coup. Oui, donc un Dracolos, ça m'aurait fait grandement plaisir. Sauf que j'ai vu que les Dracolos ne s'obtenaient qu'à Flocombe, vers la tour Dracospire. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent, on était allé dans le premier Let's Play de Pokémon Blanc. Et voilà, c'est une tour où il y a plein de Pokémon Dragons, voilà. Et si on pêche là-bas, on obtient des Dracos, je crois, ou des mini-Dracos, mais bref. Tu les fais évoluer, tu obtiens un Dracolos. Mais je ne sais pas si Flocombe est accessible dans ce jeu-là. Pendant l'histoire, parce que vous verrez que, bah déjà rien qu'à voir la carte, attendez, je vais vous la montrer. Est-ce qu'elle est en bas ou en haut? Ah non, elle est en bas. Bah elle est vraiment différente, hein. Du coup, je sais pas du tout si on va passer par Flocombe ou pas. Parce qu'en fait, on va passer par Mianville, de sur Porioneuve, et Flocombe il est là. Mais je sais pas si. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. Peut-être que c'est que pour le post-game, j'en sais rien. Du coup, on verra. Ok, on est parti, on va faire quelques dresseurs sur la route, on va XP Mascaïman aussi. Ah, bah tiens, quand on parle du loup, alors est-ce que... Oui, Ténèbres c'est faible face au combat, du coup Riolu va être d'une grande importance dans celui-là. Hop, Pokémon, pour Riolu. Et du coup il va pouvoir se charger de Mascaïman. Ah, mais je suis vraiment trop content de revoir Mascaïman dans mon équipe parce que, je vous dis, il avait fait ses preuves. Il nous avait montré sa forte puissance dans le premier Let's Play. Du coup, c'est parfait. Alors, le one-shot qui fait plaisir. Heureusement que j'avais pas fait Forte Paume tout à l'heure, sinon du coup, on aurait tué le Mascaïman. Ponchien, bah, on va pas changer. On va le laisser Riolu. Du coup, on va faire Forte Paume encore. C'est pas très efficace. Ah, il a la trouille, impassible. Ah, ça monte ma vitesse. D'accord. Et du coup, on sera peut-être plus rapide que lui. En plus, on a deux niveaux de plus. C'est quoi, c'est il se concentre, c'est ça? Ah non, il augmente son attaque. Ok. Ouh, on l'a pas tué. Il prend pas de... Quoi? Ponchien ne prend pas la tempête de sable? Ça, c'est surprenant. Dans mes souvenirs, bah, pourtant, je sais pas. Peut-être qu'il l'a pris et que j'ai pas vu, hein, mais d'accord. Bah, pour moi, ça me paraît pas logique. Il est pas type... Il va prendre photocopie. Alors, ça fait quoi déjà, photocopie? J'ai oublié. Lanceur imite la dernière capacité employée. Échoue si une capacité n'est pas utilisée. Bon, on va retirer ténacité. Hein. Ça va pas servir à grand-chose. Moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement stratégique. Je suis plus quelqu'un qui plus du frappe fort, mieux c'est. Ah! Bah tiens! Riolu évolue! Et bah c'est parti! Du coup, on va avoir notre Lucario qui va faire plaisir.
Ouh, il est beau. Il est très très beau. Félicitations, votre Riolu évolue en Lucario. Il va prendre moi d'abord. Je crois que moi d'abord, c'est... Lanceur vole la capacité prévue à l'ennemi et l'utilise en faisant plus de dégâts. Il doit frapper en premier. Bah, vous savez quoi? On va enlever photocopie du coup. On va plutôt apprendre moi d'abord, c'est mieux. Si on tombe face à des dragons, ça pourrait être très bien ça, moi d'abord. Ou on va la garder jusqu'à la dernière arène. Ou elle va faire plaisir cette capacité. Du coup, Lucario est, si je me trompe pas, acier combat. Si je dois pas me tromper, ça doit être ça à peu près. Acier combat, du coup, c'est plutôt cool parce que les types acier, ça reste des bons types à avoir dans un jeu. Et combat, bah, ça reste aussi un très bon type, hein. Fort face au type ténèbres et normal et roche. Oui, du coup, le combat, c'est pas trop mal quand même. Lucario, ça reste un bon Pokémon en force brute. Du coup, on va aller soigner l'équipe. C'est parti. Et on va peut-être retrouver Nikolai, du coup, pour faire ce fameux combat. Hop. Et du coup, c'est parfait parce que la prochaine arène, je crois, je vais voir dans nos badges. Mais si je me trompe pas, la prochaine arène, c'est... C'est pas ici, celle-là. La prochaine arène, c'est du coup l'arène de type électrique. Avec le champion qui nous attend. Durant le dernier display, j'avais eu un peu peur de cette arène, mais au final, c'était super bien passé avec Mascaïman. Du coup, là, je pense peut-être qu'après la vidéo, je vais. Si on arrive à Méanville à la fin de cet épisode, hein, je pense que pour le prochain épisode, je monterai en niveau Mascaïman. Peut-être jusqu'à ce qu'il arrive presque à son évolution. Comme ça, ce sera plus simple, je pense, pour la prochaine arène. Je sais pas de ces niveaux combien la prochaine. Ça doit être autour des niveaux 20, 20. 20. Oh, quoique. Artie, son meilleur, il était niveau combien? 22. Ouais, là, ça doit être vers le niveau 26, le meilleur. Alors, il y a un éleveur. Du coup, il va avoir pas mal de Pokémon. On le fait. Oh, bah, il est là-bas, le Nikolai. Ouais, il est là-bas. Ouais, du coup, vous allez voir qu'à partir de maintenant... Bah, déjà, ça, on a pu vous avez pu voir là que la route avait bien changé, quand même. Pour ceux qui se souviennent, c'était une ligne droite jusqu'à Merville. Alors que là, il y a des virages, déjà. Donc, ouais. La route a changé. La tempête sap fait rage. Alors, bah on va changer de Pokémon et on va envoyer bah, Lucario. Il est type quoi lui? Il est type sol. Bah ouais, à part bah, l'énergie ça fera rien, Colombo ça fera rien, Gros Tichon. Bah allez, on va envoyer Lucario. Voyons voir la bête. Ouh. En plus, je me souviens dans ouh, ah le type acier, j'avais oublié, non. Bon, bah, au moins ça nous dit que pour la prochaine arène, enfin pour l'arène de type sol, je crois qu'il y en a une, si je me trompe pas. Ce sera assez compliqué avec Lucario. Ouh, ça fait y être un one shot tout ça. Et lui, attaque qui va le terminer normalement. C'est parfait. Minotaupe et KO. Il envoie un Marill. On va renvoyer Mascaïman et ensuite on enverra l'énergie. Ou quoique, j'ai pas vu les attaques de Mascaïman. Peut-être qu'il a un truc assez cool pour battre Marill. Marill, le type fée, est pas encore là. Du coup, il est juste type eau, si je me trompe pas. Il a jet de sable, tourmente, assurance. Et tourbillon sable. Ouais. On va changer. Et on va envoyer l'énergie. Ce sera beaucoup mieux. Il fait bulle d'eau. Bon, ça va pas être très efficace. Ah, c'est juste efficace, mais il a un double type alors, non? C'est quoi son? Je sais pas. Je réfléchis. Marill, il doit avoir un double type, je pense. Il est haut de sûr. Il est haut normal à cette époque. Parce que comment? Le type fée n'est seulement arrivé qu'à Pokémon X. D'ailleurs, qui est le prochain jeu et que j'ai hâte de faire. Hein. C'est le jeu que je connais le mieux de tout Pokémon. Je l'ai fait un milliard de fois, donc je suis très 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 pressé d'y jouer. Ok, donc. Je t'attendais. Oh, j'ai une pointe de curiosité pour le paysage derrière nous. Il ne s'agit pas. Attends. Il ne s'agit pas, comme d'un coup d'œil, le laisserait croire, de simples rochers.
Et oui, moi aussi je me suis dit qu'ils étaient bizarres. Je crois que c'est des... Krabicoc, c'est quoi son évolution? Krabarak. Il s'agit de Pokémon, des Krabarak plus précisément. Maintenant, admire. J'ai mis au point un appareil destiné à provoquer un réflexe chez les Pokémon. C'est bon. Bah, merci Nicolai, tu nous as libéré le chemin. Ces Krabarak, peut-être étaient-ils épuisés de porter leur pesant rocher? Il ne s'agit que d'une simple conjecture de ma part, bien sûr. Dis-moi, tu as entendu te parler de la Team Plasma et de son credo? La reconnaissance du potentiel des Pokémon passe par leur libération, Baliverne. Au contraire, l'humanité a pour tâche d'extraire le potentiel des Pokémon. Mais à nouveau, mon esprit scientifique prend le pas sur la politesse. Je me rends compte que je ne t'ai pas demandé ton nom. Pimpin, voilà qui est facile à retenir que mes formules. Bien, j'aimerais voir si, en tant que dresseur, tu es capable de tirer toutes les ressources de ton équipe. Ben, on va voir. On va voir, mon cher Nicolai. Il est quand même assez stylé. C'est un petit mérite qu'il a, ce mec. Alors, il est acier électrique. Sauf que, il a pas lévitation. Je crois. Donc, Tourbissap, ça devrait être super efficace. Après, est-ce que ça va le tuer? Ouh, c'est pas trop mal. Bombément. Tu veux quand même pas tuer mon masqueillement? Ouh, le salaud. Il a failli me l'avoir. Bah, on fait pareil, hein, Tourbissable. Bah, c'est cool. Au moins, il va gagner pas mal d'XP parce qu'il est quand même niveau 21, le Magnity. 5 niveaux de plus, ça fait quand même pas mal. Impudence. Ouh, c'est bien ça. Il monte au niveau 17. Tic. Alors, je sais pas si Tic il a lévitation, mais ça me m'étonnerait pas. Bah, on va le laisser. On va tenter. Mais il y a moyen qu'il ait lévitation. Ah non, il l'a pas. Mais il est pareil, acier électrique, je crois. Sauf que lui, ça lui fait moins de dégâts. Lance écrou. Oh non. Ça fait très mal, ça. Ah non, masqueillement. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. On va envoyer bah, Lucario. Ce sera super efficace, je pense. Le Forte Paume. Hop. En plus, on est plus rapide. Voilà. J'aurais dû faire ça directement au lieu de laisser Mascaillement se faire détruire. Et il monte presque niveau 20. Bon, bah, c'était un combat assez facile, même si on a perdu Mascaillement, mais il était pas assez haut niveau pour ça. Je vois. À l'instar des champions d'arène ou des membres de la ligue, tu prends grand soin de ton équipe afin d'en tirer le maximum. Bah, j'ai quand même laissé crever un de mes Pokémon, quoi. Tous les dresseurs de cette catégorie se ressemblent. Je pourrais vraiment établir une typologie des dresseurs. Trêve de scientisme. Ton assistance dans mes recherches mérite récompense. Protéines. Ah, c'est bien ça. Je sais plus ce que ça fait, mais je crois que ça doit monter l'attaque ou enfin des stats. Mais n'est-ce pas rageant? Pour libérer tout le potentiel des Pokémon, il suffirait de pouvoir leur demander directement. Eh oui, il a raison. Mais ce n'est pas comme s'il existait quelqu'un capable de leur parler. Pimpin, j'espère avoir le plaisir de te retrouver prochainement. Bah, moi aussi, mon cher Nicolai, tu m'as l'air bien sympathique. Ok. Donc, il y a un chemin là. Il y a un pêcheur. Il y a deux pêcheurs. Ouh. Au mystique, ça doit augmenter les capacités type eau, je pense. Mais bon, j'ai pas encore de Pokémon de type eau dans mon équipe. Hop. On va aller soigner notre équipe au centre Pokémon. Et on va pouvoir reprendre notre route. Et même avancer jusqu'à Méanville, j'espère. Pour ce prochain épisode, on fait l'arène. Et oui, du coup, les amis, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que là, c'était, dans le dernier épisode, je vous avais dit que là, c'était la totale découverte. Voilà. Je ne savais pas que on allait devoir affronter Nicolai. Et du coup, là, je ne sais plus ce qui va se passer. Là, franchement, c'est comme si je jouais au jeu pour la première fois. Bon, je me souviens quand même de la fin du jeu, comment ça se passe, qui sont les méchants, le combat final, tout ça. Mais je me souviens plus du tout de ce qu'il y a entre les deux. Du moment où il y a le légendaire jusqu'au moment à Volucité, après le badge, là, c'est de la totale découverte. Du coup, c'est pas dans longtemps quand même, parce que je sais plus quand c'est que le légendaire arrive, mais... Bon, allez, de toute façon, j'aime bien, donc c'est cool.
Franchement, le jeu, je suis très impatient de terminer tous les jeux Pokémon qu'on a à faire pour ensuite passer au moment où on pourra faire les jeux Pokémon à leur sortie. Et du coup, là, ce sera encore mieux. On aura vraiment de la surprise. Par exemple, oh non, c'est lui le méchant, quoi, je m'attendais pas. Du coup, voilà. Parce que là, je sais qui sont les méchants, tout ça. Du coup, c'est assez redondant. Hop, ok. Je l'avais pas fait? Pardon? Attendez. Les gars. On est. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un retour dans le passé ou. Je m'en fous, j'ai la vidéo. Non mais. Quoi? Comment c'est possible que ça arrive ça? On l'a battu tout à l'heure? On est d'accord. Alors pourquoi elle veut nous réaffronter? Mais what the fuck? Mais ce jeu va me finir. Je comprends pas. Bref. Ça nous fait de l'XP gratos, hein. Ouh, la paralysie qui fait mal. Mais je l'avais même terminé avec Vive Attaque, l'autre. Je comprends. Et je comprends plus rien à ce jeu, les amis. Cool. Lucario monte au niveau 20. Bah oui, exactement, il y a le Marill. Mais c'est quoi ce jeu? Mais les gars. Je comprends plus rien du tout. Voilà. Oh, c'est cool. Masque Caïman, après ce Marill, normalement, montera au niveau 18. On va renvoyer l'énergie, du coup, parce que on l'a tué tout à l'heure avec l'énergie. Je vous ai même dit que dans Pokémon X, Marill est type au fée. Ou Roulade. Non, 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 non. Ça j'aime pas. Parce que, pour ceux qui savent pas, Roulade, en fait, c'est une attaque qui fait de plus en plus de dégâts. Premier tour, elle m'a fait un petit peu. Deuxième tour, elle va me faire beaucoup. Voilà, il m'a fait plus. Prochain tour, ça me met dans le rouge. Ah bah, il est KO. Ok. Donc il n'y aura pas de prochain tour. Et Mascaïman monte au niveau 18. Eh bah, c'est cool. Bon, on va avancer, hein. Parce que je sais pas pourquoi ça m'a reproposé un combat. Ok. On va aller faire les pêcheurs. On va aller faire les pêcheurs. On va mettre l'énergie en première position. Mascaïman, on l'expira après. Hop, on y va. Combien t'as de Pokémon? Des Bargantua. Ok. Je me demande s'il y a moyen d'avoir des Magikarp dans cette version. Je sais pas. Peut-être. Je réfléchis en fait pour mon Pokémon O à pas forcément changer. On verra. On verra. J'ai même plus quand c'est qu'on peut avoir le Pokémon O. En quelle ville? Je crois, je vois un petit peu. Ouais. On verra. On va faire éclair. Ah, il est encore plus rapide que moi, même avec. Bah, je vais mourir du coup. C'était pas loin, hein. Ouh, l'énergie monte au niveau 19. Eh ben c'est cool. J'ai pas des petites potions sur moi? Faudrait que j'en achète. Sac. Voyons voir. Potions, j'en ai 6. Ouais, je pense en acheter quand même. C'est grave pratique. J'ai 2 super potions. Ouais, on en achètera après. Entre les épisodes, j'en achèterai. Hop, on fait lui. Et ensuite, on va pouvoir l'explorer. Cette zone qui était bloquée par les Krabicoc, Krabarak. Il s'appelle Luigi. Trop bien. Psychoquack. Ok. Bon, je pense qu'un petit éclair, ça suffira pour le one shot. On a quand même 3 niveaux de plus que lui. L'énergie, il est pas très rapide quand même. Il se fait dépasser par un Psychoquack qui a moins de. Enfin, qui est plus faible que lui en termes de. En termes de niveau. Fait Mimikyu. Ok, j'ai fait juste charge. Ça suffit amplement. Pour le terminer. Ok. Un Barkantua. Voyons voir. Ok, donc j'imagine qu'on est moins rapide que lui.
attrition. Ça va, ça fait pas énormément de dégâts. Éclair. Ça va. Je pense qu'un petit charge, ça suffira. Ouh, non, non, tout à l'heure, ça nous avait pas tué. Il nous restait 20 PV, je crois. Ou peut-être pas. Non, mais c'est comme ça qu'il avait été paralysé. Je me suis dit, j'avais réussi à le paralyser avec éclair ou pas. Ok, nickel. L'énergie monte au niveau 20 et va prendre bélier. Ouais, pourquoi pas, ça fait 90 quand même, mais ça me blesse après. Ça, ça fait 50. Allez, on va prendre bélier. Je sais pas si on utilisera cette capacité très souvent, mais au moins on a une bonne capacité dans notre arsenal. Du coup, c'est cool. Tac, tac, tac. On va aller ici. Et là, il y a encore des dresseurs. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'aura pas fait énormément de choses dans cet épisode. On aura quand même avancé sur la route. On aura capturé un nouveau Pokémon et ça, c'est bien. On aura fait la rencontre aussi de Nikolai, le scientifique, qu'on connaît pas encore énormément. On a fait un combat contre lui, mais il paraît quand même assez sympathique de vue. Du coup, voilà. Voilà. Bon. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon ou que ce soit un autre let's play qui n'a rien à voir. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et maintenant, je ne sais plus quoi dire. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde !